On n'avait pas vu ça auparavant et c'est une découverte des médecins français. Effectivement, ils ont décrit chez des sujets jeunes une perte totale de l'odorat, voire une perte totale du goût. Ces personnes sont testées positives, donc il y a bien une relation entre ces symptômes assez rares finalement et la présence du virus. Ce sont souvent des symptômes bénins, donc les gens ne faisaient pas forcément attention à ces symptômes, ils ne savaient pas qu'ils étaient contagieux, donc c'était une avancée importante. Nos collègues chinois n'avaient pas noté ces anomalies. Par contre, d'autres collègues anglo-saxons et canadiens nous la signalent. Donc, les Français ont été les premiers à signaler cette particularité. De même que, comme vous le savez, nous avons décrit des formes là aussi atypiques chez les sujets très âgés qui ont moins de symptômes respiratoires et plus de symptômes digestifs. Donc, on en apprend chaque jour sur cette maladie, qui est une maladie nouvelle, qui atteint aussi de nouveaux territoires. Nous avons probablement des caractéristiques individuelles différentes, ce qu'on appelle le génotype. Nous avons des capacités, des susceptibilités génétiques et des réponses génétiques différentes à différentes infections. Et donc, le virus progressant de pays en pays, on observe potentiellement des tableaux cliniques différents.